Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer de jolies choses, notamment la magnifique collection Stamperia Sweetie, très colorée dans les tons rose, bleu. J'adore ces deux couleurs, c'est magnifique. Et tous ces jolis, jolis gâteaux. Alors attention, si vous êtes au régime, ça n'est pas du tout le moment de regarder ceci. Parce que vraiment, vraiment, les macarons, les cupcakes, les gâteaux, oh là là, mon Dieu, ça donne envie de le manger, ce papier. Donc, je vais vous montrer en détail dans quelques instants, les pages de ce bloc. Et puis, je vous parlerai également de la collection Teapot de chez FL Creation. Pourquoi? Parce qu'elle pourrait très bien aller avec et j'adore associer ces deux marques. En général, je trouve toujours une association. Et puis, je vous parlerai aussi de ce dies, le Rounded Windows Frame Die, parce que je pense l'utiliser dans le prochain album Hortensia qui démarrera en fin de mois, fin août. Et je vais vous le montrer. Il est splendide. Les découpes sont magnifiques. Mais je vais commencer par vous montrer ce très beau papier. Avec le bloc 30-30, je vous montrerai le 20-20, qui est exactement le même, avec des images plus petites. Donc, c'est assez bien de combiner aussi les deux, parce que selon ce que l'on veut faire dans les pages ou dans autre chose, eh bien, les deux tailles, c'est pas mal. Donc, c'est parti. Tout d'abord, les très jolies inscriptions. J'aime beaucoup dans les nouvelles collections Stamperia, toutes ces inscriptions, elles peuvent servir aussi pour faire des cartes, et c'est très chouette. Il y en a même une en français ici, faite à la main. C'est rare de voir le français dans les inscriptions, mais sinon il y a plein plein de jolis mots. Made with love, fait avec amour. Life is sweet, la vie est douce. J'aime beaucoup Sweet Memories. Très très jolies inscriptions, et j'aime beaucoup aussi ces bandes ici, un petit peu dentelle. Très chouette aussi. De ce côté, nous avons les rectangles. Et là, oulala, ça donne envie de les manger, ces gâteaux, c'est fou. À l'arrière, eh bien, des rectangles aussi. Et si on enlève l'intérieur, ça peut faire des petits cadres. Je trouve ça très, très sympa. Si j'enlève ici la partie intérieure, super. Les tasses de thé. Ici, très joli, et vous allez voir dans la collection Herfeld, on va retrouver ceci. Là, ici, j'aime beaucoup ce motif ici. Très, très joli papier. Ici, un fond de papier avec de très belles fleurs aussi, dans des vraiment jolis tons. Ici, oh là, magnifique. On dirait une vitrine en fait. Il n'y a plus qu'à venir y mettre les gâteaux. Alors là, ce fond est très, très, très beau. J'aime beaucoup les roses. Ici, la théière et les tasses de thé. Magnifique. Toutes les pages fleuries sont vraiment très, très belles. Ici, les rectangles, et on retrouve de nouveau toutes les douceurs, le chocolat. Le chocolat, mon Dieu, ça donne envie vraiment d'en manger. À l'arrière, très très joli aussi, tout en dentelle ce papier. Les glaces à l'italienne, mon Dieu, j'en raffole. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Ici, les macarons, la boulangerie, écriture en français, super, de très très jolies couleurs vraiment. Ils ont fait fort dans ce papier. Ici, mes recettes de gâteaux. Donc vraiment, je pense plutôt à un livre recette de gourmandise, de très jolies frises fleuries. Alors celui-ci avec les roses dessus est très très beau. Et là, cette image, waouh! Et c'est pour ça que je veux aussi vous montrer ce dies aussi. Parce qu'il me fait vraiment penser à cette image. Très, très chouette. J'adore, j'adore. Ici, très joli aussi, les bandes. Et puis ici, on retrouve des mots vraiment très chouettes. Des ronds. Magnifique papier. Là aussi,
Les fonds sont vraiment sublimes. Et ici, toutes les choses que l'on va pouvoir découper. Ça aussi, c'est très chouette. Dans ces nouvelles collections, on a même des petits papillons. J'aime beaucoup mettre des papillons dans mes réalisations. Et puis, ici, à l'arrière, je garde toujours les deux bandes ici pour faire des pochettes. C'est super. Voici pour ce papier. Alors, dans le bloc 2020, on retrouve bien sûr les mêmes choses, mais avec des images plus petites. Ici, pour faire des cartes, c'est juste la bonne taille. Donc, je vais passer un petit peu plus vite parce que ça va être exactement la même chose. Mais de ce fait, on peut peut-être plus facilement intégrer dans des pages les choses du bloc 2020. Et c'est pour ça que je le prends aussi. Ça donne d'autres idées, d'autres inspirations. Et c'est vraiment un très très beau papier. Alors je le garde bien sûr précieusement de côté pour éventuellement faire quelque chose avec, bien sûr. Et puis, regardez cette collection, la spéciale Tipote. Alors là, nous avons une très très grande théière. Regardez ce tampon, comme il est grand, il fait la taille de ma main. Et j'ai fait bien sûr la découpe que j'ai embossée. Et vous les trouvez, ces découpes, dans ma boutique. Regardez cette théière. Elle est vraiment magnifique. Avec l'embossage, c'est vraiment très très beau. Et puis la petite étiquette aussi qui est comprise dans le tampon que l'on trouve ici. On va pouvoir tamponner quelque chose. Vraiment très sympa. Et je trouve que ça va vraiment très très bien avec ce papier. Parce qu'on trouve des théières ici aussi et des tasses. Vraiment très joli tampon qu'a fait Herfeld dans cette collection. Et ensuite, nous avons, alors je n'ai pas toute la collection Tipote, mais regardez ce dies et ces tampons My Cup of Tea. Nous avons de très jolies tasses qui rappellent aussi le papier. Elles font un petit peu la même forme et je trouve ça très chouette au niveau de la taille. Ça donne ceci, vous voyez. Elles sont là, les tasses. Et nous avons même la petite cuillère. Ici, une frise de tasses. Alors, je n'ai pas fait les découpes, mais vous voyez, elles ressemblent vraiment, ces tasses. Et le tampon, je ne l'ai pas pour vous montrer, mais vraiment très, très joli et très détaillé. Vous pouvez apercevoir ici l'image avec des fleurs sur... le détail, le sachet de thé, il pense vraiment à tout aussi chez Herfeld. Et vous savez à quel point j'affectionne cette marque. Et ici, sur cette série-ci, nous avons une théière plus petite, une théière avec des fleurs. Très très chouette aussi. Et puis des petits arrangements floraux qui peuvent servir aussi dans d'autres réalisations. Voici pour la collection thé. Vraiment, vraiment très, très sympa. Et vous voyez les cartes. On peut faire des cartes aussi avec. Qui s'ouvrent comme ceci. J'en avais fait une dans mes vidéos. Dans mes tutos. Et vraiment, elle va s'accorder parfaitement avec ce papier. C'est génial. Et puis, je vais vous parler de ce dies. Qui est très, très grand. Avec des ronds. Vous voyez la grandeur. Ça fait un rond de 6 inches, il me semble, ce qui est vraiment pas mal. Et puis, avec d'autres ronds, très détaillés, plus petits, pour faire un assortiment comme celui-ci. Et j'avais fait une carte, je vais vous la montrer tout de suite, regardez ce que ce dies peut donner. On voit le grand ici. Ensuite, le plus petit et le dernier apparaître. Et vous voyez, j'avais fait une carte en forme de rond. Vous la trouverez aussi dans mes tutoriels pour la réaliser. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup cette carte qui se ferme comme ceci. Ça change. C'est très chouette. Et puis, je vous ai fait les découpes pour vous montrer. Donc, vous voyez, ce dies aussi permet de faire un fond comme vous le voyez ici. Ensuite, celui-ci,
Eh bien, ça donne ceci. Alors là, celui-là, vraiment, j'aime beaucoup. Et je pense utiliser ce dies dans l'album Hortensia que je vais démarrer bientôt. Vraiment très, très, très chouette découpe. Et si on met une image ici au milieu, c'est vraiment splendide. Regardez ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup. Et puis, nous avons le dernier dies. Donc là, un rond plus petit qui peut vraiment très bien s'intégrer dans une carte avec ici le centre. Et ça donne ceci. Alors vraiment très chouette aussi. Et si j'associe les trois, voilà ce que j'obtiens. Et là, il y a beaucoup de possibilités avec ces dies. Et franchement, le résultat est très, très joli. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai hâte de l'utiliser dans le papier Hortensia, dans l'album, sur lequel je commence déjà à réfléchir. Et ne vous inquiétez pas, j'ai de l'inspiration. Et vous voyez, il me fait vraiment penser ce dies à cette image-ci. Parce qu'on retrouve ici le rond avec la dentelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi de vous le présenter aujourd'hui. Je le trouve sublime. Eh bien voilà, j'espère que toutes ces belles choses vous donneront envie de réaliser des choses vous aussi. Et puis, eh bien en attendant d'utiliser tout ce beau matériel, eh bien je vous fais plein de gros scrap bisous et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Ciao, ciao.